Welcome to Mining Watch Canada's annual seminar. This year, our topic is l'énergie verte, les mines vertes et le Green New Deal. Avant de continuer, j'aimerais présenter notre gardienne du savoir, Monique Manage. Elle est une gardienne de savoir et une membre de Nation Algonquine et va commencer la session aujourd'hui. So Monique, est-ce que vous aimeriez commencer avec une orientation, Mingguezhen? Tout d'abord, je me trouve en ce moment sur des territoires non cédés des Algonquins. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue sur ce territoire. Je suis Algonquine, je suis Monique Manage, je suis membre des Algonquins de Barrier Lake. Il me fait honneur de faire partie de ce webinaire. Le travail que moi je fais est vraiment essentiel, particulièrement pour nos collectivités autochtones. Par la capacité, what needs to happen when mining companies de faire ce qu'il faut faire lorsque les sociétés d'exploitation minière se trouvent ou viennent sur nos terres. Nous ne sommes pas au courant de cela même. J'ai parlé à la communauté au sujet du fait que Mining Watch nous a avisé qu'il cherchait au cœur de notre territoire pour des minéraux et commencer des exploitations minières. Je sais que le New Green Deal va être un sujet de la conversation aujourd'hui et je pense que d'explorer cette entente ou ce projet et comment les communautés, comment tout le monde pourrait réagir au mieux, ça va changer la donne. Ça va être tellement important à la manière de continuer. On voit tant d'énormes changements dans notre environnement avec le réchauffement climatique et aussi la pandémie qui ne va pas disparaître du jour au lendemain. Ça va continuer sous des formes différentes. Donc, c'est quelque chose qu'il faudrait simplement incorporer dans notre mode de vie. J'aimerais ouvrir cet espace d'une bonne manière, avec des propos aux créateurs pour créer un espace sacré où ces conversations puissent avoir lieu, où tout le monde peut faire part de ce qui se trouve dans leur cœur et dans leurs esprits et de manière que ça bénéficie à tout le monde. Merci, créateur. Nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez placé sur nos patries. Pour les rivières, les arbres, les lacs, les ruisseaux, nous sommes reconnaissants pour les oiseaux, les animaux et pour les oiseaux et pour tous les bons êtres humains. Nous sommes reconnaissants du ciel qui se trouve au-dessus de nous et de la terre sous nos pieds. Nous sommes reconnaissants des abeilles, les insectes et tout ce qui aide les plantes à pousser. Nous sommes reconnaissants des médicaments et des cérémonies. Nous sommes reconnaissants de notre capacité de nous préparer spirituellement pour le travail spirituel que nous devons faire. Nous sommes reconnaissants pour notre capacité de nous conforter mutuellement et d'être là pour les uns pour les autres pendant les périodes positives et négatives. Nous espérons que vous allez nous aider à atteindre la sagesse de nos ancêtres afin qu'on puisse le prendre et l'utiliser auprès de nos amis, nos familles et nos communautés. On vous demande de nous aider, de dire des mots bons, positifs et qui vont nous aider spirituellement et émotivement. Nous les rappellerons avec les amis et les membres de famille qui souffrent de dépendance ou de maladie. On espère qu'ils vont passer une bonne journée, qu'ils vont nous revenir plus forts et capables de jouer le rôle de mentor. Nous rappelons de nos rôles et de nos responsabilités. Vivre nos vies avec beaucoup de respect pour toutes les choses vivantes. Merci. Merci. Thank you very much.
Merci beaucoup. Et j'espère que vous allez passer un excellent, que vous allez avoir un excellent webinaire aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Monique. C'était vraiment très bon. Aujourd'hui, notre sujet, l'énergie verte, mine verte et le Green New Deal, on va regarder les contradictions difficiles au cœur de la transition à l'énergie renouvelable. Que l'entreposage de l'énergie a besoin de beaucoup de minéraux. Le secteur minier essaie de tenir, de prendre avantage parce qu'il va faire de. À moins qu'il y ait de la demande pour l'énergie, les matériaux sont limités, la destruction environnementale et les conflits sociaux vont continuer à croître. Et comment un Green New Deal peut aborder cette contradiction? Nous aurons trois présentations de 15 minutes par nos panélistes invités. Il y aura une discussion par la suite où les panélistes vont répondre aux questions du modérateur, c'est-à-dire moi et de l'auditoire. So I would like to introduce the first speakers, May Darrer and Dimitri Karatidi, who are with the Citizens Coalition Against... Le projet Nouveau Monde Graphite Québec est actuellement la plus grande mine de graphite proposée en Amérique du Nord. Dimitri est titulaire d'un doctorat en biochimie de l'Université McGill et une maîtrise en administration des affaires de HEC Montréal. Il est entrepreneur et a travaillé en tant que consultant en responsabilité sociale. Il est actuellement chef de projet en développement commercial à l'Institut de recherche du Centre de santé de l'Université McGill. Il s'exprime aujourd'hui en tant que citoyen directement touché par le projet Nouveau Monde Graphite. May est diplômée en littérature et en administration des affaires. Elle était jusqu'à tout récemment administratrice de l'Association des pédiatres du Québec, poste qu'elle occupait pendant plus de 18 ans. Elle est l'une des porte-parole du comité des citoyens opposé au projet Nouveau Monde Graphite, un comité qui représente plus de 100 familles, résidents, commerçants et vacanciers de la région. Je pense que May va parler. Ensuite, on va inviter Dimitri pour la période de questions-réponses. Maintenant, à vous, May. Merci. Merci pour la présentation, Jimmy, et merci surtout à Mining Watch Canada de nous donner l'opportunité aujourd'hui de partager avec vous un témoignage d'une histoire triste, d'une histoire dévastatrice que plusieurs citoyens de Saint-Michel-des-Saints vivent depuis 2016, depuis en fait l'annonce de l'implantation de la plus grande mine à ciel ouvert au sud du Québec, chez nous, à Saint-Michel-des-Saints. Avant de commencer, j'aimerais prononcer un avis de non-responsabilité. Donc, les opinions présentées ce jour ne sont pas nécessairement représentatives des opinions et des points de vue des associations, employeurs ou des lieux de travail des membres du comité administratif de la COP. Qu'est-ce que la COP, qu'est-ce que la coalition? La coalition a vu le jour en 2016. Elle regroupe beaucoup de citoyens de la municipalité de divers secteurs. Elle a pour objectif de s'opposer au projet minier et elle promouvoit une économie durable, une économie basée sur les vocations premières de la région, des vocations des économies maîtresses comme par exemple la foresterie, la villégiature et le récréotourisme. Donc, je vais lire la prochaine diapo. Donc, nous ne sommes pas contre l'électrification des transports, bien au contraire. Donc, dans le contexte de l'électrification du transport, il faut être conscient des conséquences de la production des batteries. Par exemple, si on prend une batterie de 85 kWh, on peut estimer que cette batterie va nécessiter l'équivalent de 73 kg de graphite. Et donc, pour produire cette quantité de graphite, Nouveau Monde Graphite, la mine Nouveau Monde Graphite qui s'implante chez nous, va générer beaucoup, beaucoup de déchets. Par exemple, des déchets miniers solides de l'équivalent environ de 4,8 tonnes. Des eaux usées d'environ 1,222 litres
et des émissions de gaz à effet de serre de l'équivalent de 0,4 CO2. Donc, comme vous pouvez voir, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de déchets miniers. Ce sont des estimés basés sur des analyses de Mining Watch Canada et Transport Environnement de mars 2021. Comme vous le voyez, il s'agit là des impacts très, très graves d'une batterie électrique. Et d'où viendra ce graphite? Eh bien, voilà l'ampleur du projet. La plus grande mine à ciel ouvert du sud du Québec sera implantée entre le parc national du Mont-Tremblant et le parc régional du Lac Taureau, dans un écosystème fragile, un milieu sensible, un milieu de villégiature, un milieu habité. Dans ce parc régional du Lac Taureau, nous retrouvons un joyau du Québec, le Lac Taureau, un immense lac d'eau douce situé approximativement à 2 heures au nord de Montréal. Cette mine-là, c'est une immense fosse de 2,7 km de longueur, 400 mètres de largeur et 240 mètres de profondeur. Comme production annuelle, on estime 100 millions de tonnes de concentré du graphite et 60% de la production vise le marché des batteries électriques. Les risques environnementaux, on en a résumé 4 très importants, dont un majeur, la contamination des eaux, probablement à perpétuité. La contamination est inévitable des eaux de surface et des eaux souterraines. Imaginons le rejet de millions de tonnes de déchets acides dans les bassins versants du parc régional du parc régional du Lac Taureau et du parc national du Mont-Tremblant. Les déchets miniers, une pollution environnementale énorme. On estime à 100 millions de tonnes de déchets miniers, dont une partie acidogène déposée sur le territoire à perpétuité et en amont du village Saint-Michel-des-Saints. Et un point essentiel à retenir à ce moment, c'est que la méthodologie de gestion des résidus miniers n'est pas éprouvée à l'heure actuelle. Ça, c'est très important. La pollution de l'air, on va en avoir énormément avec les particules fines de poussière qui vont être dans l'atmosphère. Avec ce projet-là pour une durée minimale de 26 ans. En fait, la durée de vie du projet est de 26 ans. Donc, pendant toute cette période, nous allons avoir une pollution de l'air avec ces particules fines. Perte de biodiversité, là, on parle de déforestation, ça a déjà commencé. Le bruit continu est déjà présent. Le dynamitage répété, les poussières, tout est déjà sur place. Une augmentation des GES très, très, très notable. Si on va du côté des impacts sociaux, contrairement aux prétentions du promoteur, donc Nouveau Monde Graphite, il n'y a pas d'acceptabilité sociale, il y a plutôt une division sociale dans la collectivité. Ce que le promoteur dit, une acceptabilité sociale qui est appuyé par la municipalité de la région, n'est pas au rendez-vous, n'est pas là. Il a été démontré lors des audiences publiques en janvier dernier que le promoteur n'avait pas fait ses devoirs de façon efficiente. Il n'a pas consulté l'équivalent de 50% de la population. Donc, c'est pas peu. Des villégiateurs pour la majeure partie. Donc, ce n'est pas vrai. Il n'y a pas d'acceptabilité sociale. C'est une division sociale. Et nous tenons à souligner ce point-là parce que c'est une guerre médiatique entre le promoteur et nous. Lui qui parle d'acceptabilité à 80% et nous qui disons qu'il n'en avons pas. Les nations autochtones, jusqu'à l'heure, ils n'ont pas été
consultés. Ils ont dénoncé des consultations bâclées. C'est un non-respect de la nation Atikamekw de Manawan, d'autant plus que ce projet minier, que cette mine va s'implanter sur les terres ancestrales de la nation. C'est impensable. Impact de la santé, il y en aura beaucoup. Une augmentation des risques. D'ailleurs, ça a déjà commencé. On a une augmentation de détresse, une augmentation d'impacts psychosociaux, une augmentation de l'impact sur la santé, ne serait-ce qu'avec la poussière. Donc, c'est des impacts qui vont en croissance, qui augmentent en tout temps. Campagne de marketing verte et rôle du gouvernement. La plus grande force du promoteur réside spécifiquement dans sa campagne de manipulation des opinions conscientes et intelligentes. À force de répéter que la mine est 100% électrique, que le projet est vert, le citoyen finit par y croire. À force de le lui répéter, ça devient comme une vérité. Au point même que le gouvernement semble avoir été conquis à cette image. Dans la stratégie d'éco-blanchiment extrêmement bien rodée, le gouvernement lui-même vend le projet comme étant vert, comme étant responsable auprès de la population, auprès de potentiels clients. Il le vend comme un projet responsable, comme un projet vert. Auprès d'investisseurs potentiels, on n'en connaît pas. On n'en a pas connu à l'heure actuelle, donc on ne sait pas quel est l'intérêt des compagnies. Plutôt, je dirais que l'intérêt des compagnies s'intéresse à d'autres mines au Québec plutôt qu'à Nouveau Monde Graphite. La complaisance du gouvernement. Justement, dans la photo que vous voyez à l'écran, notre ministre de l'économie s'est joint à l'équipe de Nouveau Monde Graphite sur le site. Le ministre de l'économie, M. Fitzibon, que nous avons rencontré en janvier dernier, nous a clairement dit et répété qu'il n'avait aucun problème avec le principal actionnaire de la compagnie, qui est la compagnie Palinghurst, enregistrée dans des paradis fiscaux, qui n'a aucune ou très peu d'expérience dans le domaine minier, mais qui se spécialise dans la reprise des compagnies en difficulté. Donc, notre ministre de l'économie se trouve très confortable avec un investisseur qui a ses sièges sociaux dans les paradis fiscaux. On peut se poser la question, où va-t-on? Gaspillage de l'argent des contribuables dans un projet spéculatif. Ce que nous souhaitons, c'est que le gouvernement arrête d'investir plus d'argent dans ce projet spéculatif qu'il ne l'a déjà fait. Il a déjà beaucoup investi. C'est un projet spéculatif, c'est un projet dont des rapports ont démontré que sa viabilité n'était pas démontrée. Donc, nous demandons au gouvernement de ne plus investir, d'arrêter d'investir des fonds publics et l'argent des contribuables dans ce projet très spéculatif. Négligence des recommandations du BAP, eh bien, justement, le gouvernement n'a pas acquiescé à la demande principale du bureau d'audience des études environnementales. C'est un bureau d'audience public sur l'environnement. C'est une entité qui a été mise sur place par le gouvernement pour étudier tous les projets environnementaux et faire des recommandations au gouvernement. Or, le gouvernement a délivré en catimini, il y a de cela quelques mois, un décret d'autorisation pour ce projet, ne tenant pas compte des recommandations émises par le BAP, à savoir recevoir les 8 études additionnelles et demandées par le BAP avant même d'émettre l'autorisation
du décret. Donc, le gouvernement a fait fi de cette demande et a autorisé le projet de nouveau monde graphite. Ce qu'on peut se demander, le gouvernement, dans sa campagne, dans sa campagne gouvernementale où il a plutôt mentionné qu'il souhaitait plutôt s'attaquer aux paradis fiscaux, à l'évasion fiscale, qu'il voulait faire un virage vert, qu'il souhaitait voir à une économie verte. Or, il nous démontre, hors de tout doute avec ce projet, qu'on est loin des promesses faites en campagne électorale, loin de là. Si c'est vraiment le cas, il devrait faire marche arrière et mettre un moratoire sur ce projet pour, en vue de recevoir les études supplémentaires demandées par le BAP. On peut se demander, avec ce que nous voyons actuellement, de ce que fait le gouvernement, on peut se demander s'il n'appuie pas plutôt la destruction durable. Voilà. Il y a, en conclusion, il y a la partie des rêves, qui est l'énergie propre à laquelle nous croyons, les minéraux responsables que nous souhaitons, et la réalité étant des déchets miniers par millions de tonnes, une destruction durable. Saint-Michel-des-Saints n'aura plus du tout le même, c'est une destruction de son paysage, c'est une destruction de son eau, et les impacts sociaux, écoutez, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est des impacts sur le tourisme, sur la villégiature, sur la santé des gens, bref, et du greenwashing, ben ça, c'est ce qu'on vit depuis quelque temps. Maintenant, piste de solution, oui, à l'électrification des transports, nous sommes à 100% d'accord avec ça, mais pas à n'importe quel prix. Des solutions existent, le gouvernement doit avoir le courage de réformer certaines lois. Il pourrait, pour ce faire, s'inspirer des 5 principes pour que la transition ait meilleure mine, proposés par une coalition de plusieurs acteurs à laquelle nous avons participé, chapeautée par la coalition Québec Meilleure Mine. En quoi consistent ces 5 points? Réduction à la source, encourager et développer, entre autres, le transport commun à des prix abordables, protéger l'environnement, voir la protection de l'eau, interdire entre autres aussi les déversements de déchets miniers dans l'eau et dans les rivières, protéger les collectivités, tout ce dont on vient de parler également, donc le tourisme, la villégiature, les citoyens entourant les citoyens des collectivités, appliquer le principe de pollueur-payeur et appliquer la justice fiscale. Je voudrais peut-être juste ajouter un petit dernier point. Saint-Michel-des-Saints est réputé au national et à l'international pour son récréotourisme, sa villégiature. Saint-Michel-des-Saints s'imbrique dans la Naudière, dans la Haute-Matawinie, un secteur de tourbières, de lacs, de forêts. On voudrait garder tout cela intact et promouvoir nos activités de tourisme qui génèrent actuellement 300 millions de dollars et 3 000 emplois menacés par ce projet minier. Juste pour le pôle de Saint-Michel-des-Saints, l'équivalent de 15 millions de dollars et 300 emplois directs, tous menacés. Merci. Je vais mettre la toute dernière de nous. Maintenant, j'aimerais présenter Payal Sampath. Elle est directrice du programme minier d'Earthworks, basé aux États-Unis, et co-directrice de la campagne d'Earthworks Making Clean Energy Clean, Just and Equitable. Payal dirige les efforts d'Earthworks pour réformer les pratiques minières par le biais de campagnes auprès des entreprises et des marchés, de réformes politiques et de solidarité avec les communautés de première ligne. Elle est co-auteure
productrice de plusieurs publications sur les liens entre l'exploitation minière et la transition énergétique, dont la plus récente publiée la semaine dernière, Reducing New Mining for Electric Vehicle Battery Minerals. Bienvenue, Payal. Merci beaucoup, Jamie. En fait, ce n'est pas vraiment moi qui ai été à l'auteur de ce rapport. J'aimerais dire bonjour à tout le monde. Je m'appelle Payal Sampat. Et je me trouve sur des terres dans CD de Spotly en Californie. Je suis la directrice du programme minier de Earthworks, qui est une organisation sans but lucratif consacrée à la protection de communautés et d'environnement des impacts négatifs compagnies minières et pétrolières et gazières. On travaille sur des stratégies de plaidoyer et de solidarité avec, et en fait, le premier point, on veut soutenir des solutions durables qui vont nous sortir de cette économie extractive. Merci beaucoup à Mining Watch de cette invitation. Et j'aimerais reconnaître l'excellent travail que Mining Watch fait. C'est vraiment un honneur de collaborer avec vous et un honneur de participer à ce panel avec ses autres inspirants panélistes. Donc, je vais commencer avec cette diapo. C'est le nom de notre campagne, rendre l'énergie propre, juste et équitable. Il y a plusieurs organisations qui travaillent dans cet espace. Et donc, un rapport a été fait par plusieurs coalitions. Et donc, je voudrais reconnaître le travail qui a été fait dans notre réseau. Alors, comme je l'ai dit, nous sommes une organisation qui est basée aux États-Unis. Nous avons plus de 30 ans d'expérience dans le soutien aux communautés en première ligne des industries extractives. Et ce que nous avons vu durant notre travail, c'est que durant les dernières années, il y a eu de plus en plus de demandes de nouvelles mines. Et donc, on disait, bon, nous avons besoin de ceci pour la transition verte. Et bon, les minéraux critiques, ça c'est un outil de message pour se concentrer l'attention sur un grand groupe de minéraux qui sont décrits comme étant critiques. On peut démolir cette notion parce que nous n'utilisons pas ce terme de critique. C'est un outil d'éco-blanchiment. C'est juste pour pouvoir continuer à exploiter des mines. Et donc, il y a le bassin versant en Alaska et puis aussi en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et ceci pose des menaces à l'océan, même en haute mer. Et ceci étend les risques. Et donc, on parle de l'impact sur les communautés locales également. Donc, au tout début de cette discussion, je voudrais dire que nous croyons qu'il faut décarboniser, il faut passer à une transition d'énergie renouvelable. Mais ça ne peut pas être fait aux dépens des communautés et de l'environnement et qu'on ait encore plus d'extraction minière. C'est vraiment le talon d'Achille de cette transition verte. Si ces risques ne sont pas réglés de manière proactive. Et donc, on voit que c'est une transition simultanée. Pas simplement pour une baisse de l'énergie due au carbone, mais il y a également la question des minéraux. Il faut réduire notre dépendance à ces solutions qui ne sont pas responsables. Il faut vraiment qu'il y ait un changement systémique pour que nous ne soyons pas simplement en train d'extraire et de jeter. Il ne faut pas continuer selon le modèle des énergies fossiles. Et donc, pour que ceci arrive, il faut agir dès maintenant.
comme vous allez le voir dans la présentation, il y a certaines interventions qui sont faites. Et donc, il y a des possibilités pour qu'on s'organise que ce ne soit plus le cas. Donc, je suis sûre que la plupart d'entre vous est très familiers avec les incidences ces désastres et ceci est très bien documenté. Il y a énormément d'impact de ceci, le déplacement forcé, la pollution aussi, et donc la pollution dont on entend parler, la pollution de l'air, de l'eau, mais également il y a des désastres comme le mont Boli en Colombie-Britannique et l'autre au Brésil à Brumadinho. Donc ce qui est important, c'est que ceci est vraiment très important comme empreinte carbone et en émission de carbone. Et donc, il y a la question de l'eau douce, de l'environnement marin, et ceci a vraiment un impact disproportionné sur les peuples autochtones. Donc, pour qu'on comprenne vraiment bien ces enjeux, je vais vous présenter deux rapports qui ont été faits par l'Université de la Technologie de Sydney pour avoir un avenir durable. Vous pouvez trouver ces références. Alors, l'un d'entre eux, ce sont les prévisions sur ce à quoi ressemblera la demande. Ça a été fait en 2019, et la deuxième, qui a été publiée la semaine dernière, c'était comment est-ce qu'on peut obtenir ces minéraux sans laisser d'énormes trous dans le sol. Alors, quelles pourraient être les stratégies? Alors, tout d'abord, pour le premier rapport, on s'est concentré sur 18 minéraux différents qui étaient importants pour les technologies vertes, incluant l'énergie solaire, éolienne et celle pour les batteries. Et donc, ce que la recherche a démontré, c'est que les minéraux qui étaient préoccupants étaient ceux qui ce dont on avait besoin pour les batteries des véhicules électriques. Et donc c'est le nickel, le cobalt, le lithium et le cuivre. Et ça ne veut pas dire que les prévisions d'impact pour les autres, le graphite et ces autres minéraux ne sont pas importants, comme le manganèse par exemple. Mais ce qui est important de se rappeler à l'esprit, c'est que ce sont des prévisions. Ce n'est pas la vérité, et c'est la même chose avec les prévisions de la Banque mondiale, celles publiées par l'énergie. Bon, s'il n'y a pas de changement, c'est là où on se dirigerait pour faire toutes les mesures correctives que nous pourrions faire. Et donc, il faudrait qu'il y ait un changement. Alors, comme je l'ai mentionné plus tôt, ce qui était vraiment frappant, c'était la question des métaux utilisés dans les batteries qui sont responsables de cet accident pour les mines qui devront être ouvertes. Mais il y a également aussi qu'on en est à un point dans la croissance où on se concentre surtout sur l'importance des véhicules électriques dans la politique climatique. Il y a également l'impact des transports publics, on change. Et donc c'est vraiment quelque chose de critique, et le prochain rapport de recherche vous le démontrera aussi. Les politiques tous les engagements et les interventions devront s'intéresser à ceci. Donc ici, vous avez plus de détails que ce dont vous avez besoin. Mais bon, les trois minéraux sur lesquels on se concentre, c'est le nickel, le cobalt et le lithium, pour vous donner une petite idée de quels sont les impacts.
pour le nickel. Le Canada, la Russie, l'Australie, les Philippines, l'Indonésie, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Calédonie. Ce sont les régions qui ont documenté les dommages à l'eau douce et aux écosystèmes marins. Il y a des déchets dans l'océan. Pour le cobalt aussi, l'attention s'est portée sur la République du Congo, dans le sud. Il y a eu beaucoup d'abus de pollution aérienne et de l'eau. Il y a eu de la corruption. Et on s'est vraiment concentré, ou peut-être que notre attention a changé et elle est portée maintenant sur le secteur minier du cobalt, qui est un secteur artisanal. Il y a eu beaucoup d'efforts de coopération pour amener du changement. Donc il faut s'assurer qu'on se concentre également sur les impacts sur une grande échelle des mines de cobalt. Aussi, les réserves de lithium se retrouvent en Amérique du Sud, en Chili, en Bolivie, en Argentine. Mais nous voyons aussi des explorations dans l'ouest des États-Unis. Et donc, tout ceci mis ensemble, il y a eu des problèmes concernant les droits à l'eau parce qu'il y a un écosystème fragile du désert. Sinon, passons. Oups, désolé. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire si nous ne pouvons pas obtenir les minéraux en les retirant de la terre? Où est-ce que nous allons pouvoir les obtenir? Et ça, c'est la question que l'industrie se pose. Et surtout parce que ça indique qu'il faut que nous fassions de l'extraction. Donc, nous avons commandé cette recherche qui nous a montré qu'avec le changement de politique et que bon, les autres solutions examinées aussi montraient qu'on pourrait avoir entre 25% et 35% de lithium, de cobalt et de cuivre de sources secondaires comme le recyclage. Je vous encouragerai à aller lire la recherche, mais c'est très important de considérer ces sources secondaires. Maintenant, il n'y a pas juste le recyclage, il y a également des possibilités pour réduire la demande avec des stratégies non reliées au recyclage. Bon, par exemple, prolonger la durée de vie des batteries. Jusqu'à maintenant, c'est à peu près 8 à 12 ans, mais on pourrait peut-être prolonger la vie de ces batteries jusqu'à 20 ans. Et il y a également d'autres applications possibles pour qu'on n'examine pas simplement les solutions de recyclage, mais qu'on réduise la consommation. Et donc, peut-être on pourrait voir si on pourrait profiter du transport public, d'autres solutions qui vont nous éloigner des voitures privées, de la dépendance à ces véhicules privés. Si le transport public pouvait être utilisé un peu plus. Ça, c'est ma dernière diapo, ou l'avant-dernière. Et on se rencontre sur comment nous allons amener le changement. Comme c'est indiqué dans cette présentation, il y a beaucoup de stratégies qu'on peut utiliser pour encourager les solutions reliées au recyclage. Bon, il y a d'autres interventions qui seront nécessaires pour encourager d'autres solutions. Il faut vraiment supprimer les obstacles qui font pencher la balance en faveur d'une nouvelle extraction. Bon, ce sont les politiques, surtout les incitatifs, qui vont pouvoir aider.
aussi certaines de ces embûches, c'est la technologie qui n'est pas standardisée. La normalisation de la technologie des piles devrait être bien meilleure pour pouvoir améliorer la situation. Il y a également la question des nouvelles possibilités de recyclage dans les communautés pour qu'on ne crée pas de nouvelles injustices à cause du marché secondaire. Oui, nous avons remarqué qu'il y a de nouvelles opérations minières. Bien sûr, il y a celles qui existent déjà, mais il y a aussi de nouvelles propositions. Et lorsqu'il y a ces opérations, elles doivent respecter des normes très strictes concernant l'environnement, comme celles qui sont élaborées par l'initiative pour les mines responsables. Il y a également la question de la gouvernance et de la société civile. Donc, il faut vraiment s'assurer que la société civile soit impliquée pour fournir cette surveillance. À long terme, pourquoi est-ce qu'il y a des compagnies qui se concentrent sur le fait d'extraire des minerais du sol et qui ne s'adressent pas à ces matériaux et ce pourquoi ils sont utilisés? Il pourrait y avoir d'autres manières de consommer. Comme dans une des diapos précédentes, il faut qu'on repense la demande et le système de consommation. Bon, ça, c'est ma dernière diapo. Et il faudrait peut-être prioriser. Il faudrait reprioriser le transport public, l'équité et l'accès à ces matériaux. Et bien sûr, il y a la question de la solidarité et de la collaboration entre les communautés et la société civile. Désolée, j'ai dépassé un petit peu le temps que j'avais. Merci, Payal, c'était excellent. J'ai vraiment apprécié le défi que vous posez en tout dernier. C'était vraiment très bien. Très bien. Nous comprenons beaucoup mieux la question. Donc, je voudrais présenter Tia Riofrancos, qui est notre dernière conférencière aujourd'hui. Elle est professeure adjointe en sciences politiques au Collège Providence aux États-Unis. Elle est également boursière Andrew Carnegie de l'Institut Radcliffe. Elle se concentre sur l'extraction des ressources, l'énergie renouvelable, les changements climatiques, la technologie verte, les mouvements sociaux et la gauche en Amérique latine. Ces thèmes sont explorés dans son nouveau livre, Resource Radicals from Petro-Nationalism to Post-Structuralism in Ecuador. Et elle a été co-auteure d'un autre livre, Une planète à vendre. Elle a écrit également dans le New York Times, le Guardian, le Boston Review, le Baffler, N plus 1, Dissent et Jacobin, parmi d'autres. Alors, bienvenue à Tia. Really a pleasure to be here. And I think that folks in the audience will note some. Les similarités entre les différentes présentations. Et plutôt que ce soit une répétition, ça va vous démontrer qu'il y a plusieurs angles pour s'attaquer au même problème. Ma présentation s'appelle La frontière extractive de cette nouvelle transition verte. Pour commencer, je voudrais nous situer un petit peu dans la crise climatique. Et ceci va informer toutes nos présentations, mais c'était très bien de se rappeler que cette crise est vraiment très profonde et qu'elle s'accélère. Donc, à ce point-ci, le monde va dépasser l'entente de Paris de 2 degrés, mais il y a également le panel intergouvernemental qui sera dépassé de 1,5%. Donc, nous ne sommes pas dans la bonne direction pour ces cibles. Il y a également la crise climatique qui est très, très importante. C'est vraiment structuré par les injustices et les inégalités mondiales. Donc, ce que vous voyez à gauche,
c'est que les pays les plus riches du monde sont responsables de plus de la moitié des émissions de carbone. Et donc, les pays les plus riches au monde sont ceux qui sont responsables de la crise environnementale. Et bien sûr, les États-Unis ont les émissions les plus élevées par habitant dans le monde. Et donc, de notre côté, c'est la relation inversée entre la responsabilité climatique et la vulnérabilité climatique. Donc, vous avez les pays qui contribuent le moins et qui, eux, sont donc les plus vulnérables à cette situation. Cette intersection entre la crise climatique et la crise des inégalités, c'est exactement l'intersection auquel la nouvelle transition verte est confrontée. Donc ceci était quand même assez ambitieux. On veut vraiment réduire les émissions de carbone. Et là, je parle des États-Unis. Pour le moment, je vais vous parler des politiques intérieures aux États-Unis. Donc, on voudrait réduire les émissions de carbone et donc avec un secteur public qui sera très investi. Bon, pour il y aura le système énergétique qui appartiendra à la, au public et il y aura une transition juste pour les travailleurs qui travaillent dans les communautés minières et extractives. Et donc, nous voulons dire que cette transition juste va garantir des millions d'emplois verts et donc l'économie doit être transformée pour atténuer la crise et pour que les gens soient beaucoup plus résilients lorsque on parle de changement climatique extrême. Donc, ça pourrait être des logements sociaux verts qui seraient beaucoup plus abordables pour les gens. Et en même temps, on pourrait s'adresser à la crise du logement. Donc, ça, ce sont toutes les exigences de ce mouvement. Je vous mets quelques images. Ceci est à New York, dans le pays, dans le sud, et également à Washington DC, où les mouvements sont alignés avec les membres progressifs du Congrès pour que ce soit codifié dans la loi. Et je serai très heureuse de parler de DSA, et je peux me poser des questions dans la boîte de questions. Mais je voudrais parler des implications mondiales de ces transformations qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir régler la crise climatique. Comme nous avons entendu nos conférenciers, donc notre industrie est vraiment intense au point de vue des minéraux et donc tout ce dont on a besoin pour la carbonisation, cette image vous en donne une idée. Il y a également des prévisions de la demande. Et donc, comme Payal l'a dit, ces prévisions dépendent de beaucoup de décisions politiques et économiques qui vont déterminer le volume et le niveau des extractions minières. Et je vais y revenir, mais la Banque mondiale prévoit une augmentation pour le lithium, le graphite et le cobalt. On en a déjà entendu parler aujourd'hui. Donc, nous avons aussi entendu, et je ne vais pas répéter les explications de mes co-panélistes, mais il faut se rappeler des impacts de l'industrie minière. Il y a la technologie traditionnelle et la technologie verte, mais les impacts sont les mêmes sur la faune, l'eau douce et les écosystèmes marins. Il y a énormément de quantités de déchets toxiques qui sont tournés. Il y a également les déchets liquides et ceci est toxique pour les humains et les écosystèmes. On expose les communautés à de gros problèmes, surtout les problèmes respiratoires, comme elle l'a mentionné. Il y a également les déplacements territoriaux, la violence, il y a des
acteurs d'entreprise et des militaires qui interviennent. Également, les travailleurs ont des problèmes et des risques concernant la santé et la sécurité, et leurs protections sont minimes. Et en général, cette image négative implique que les travailleurs et les communautés reçoivent très très peu d'avantages économiques. Et c'est vraiment horrible quand on compare avec les bénéfices recueillis par ces compagnies. Donc, dans ma recherche, j'ai fait du travail au Chili, et les gens à qui j'ai parlé au Chili sont dans l'audience, dans l'auditoire aujourd'hui. Et donc, nous avons entendu que les batteries au lithium, c'est dans les ordinateurs portables, les téléphones, etc. Donc, ils sont également dans les véhicules électriques, les bus électriques également, dans les batteries qui sont nécessaires à l'énergie renouvelable. Bon, je parle de l'énergie éolienne ou l'énergie solaire. Et comme je l'ai dit plus tôt, et Payal l'a dit, cette demande de lithium à cause de la demande qui va en augmentation pour les véhicules électriques sera vraiment dramatique. Et aussi, nous avons également une prévision qu'il y aura des problèmes d'approvisionnement. Donc, il y aura peut-être un écart entre les prévisions et ce qui sera disponible. Et donc, il faudra probablement faire face à des extractions supplémentaires. Alors, avec la question de l'approvisionnement et de la demande, les gens dans le nord mondial voient ça comme une course pour sécuriser ces minéraux critiques. Et donc, nous avons un parallèle avec l'âge des empires où on voulait s'approprier des terres et des ressources dans le sud. Et donc, il va y avoir un affaiblissement des règles environnementales. Et je voudrais noter aussi, parce que c'est important, que cette course est vue dans l'optique de la nouvelle guerre froide avec la Chine. Et il faut vraiment faire attention à ceci parce que ça vient miner la coopération dont on a besoin pour la question des changements climatiques, mais c'est que ça encourage le domaine de l'extraction. On voit que la Chine essaye de se rattraper par rapport aux autres nations, et donc nous avons entendu déjà parler de ça aujourd'hui dans le projet de graphite au Québec. Alors, quels sont les acteurs? Qu'est-ce que les acteurs du secteur du privé font? Nous avons les mines de lithium et les compagnies de véhicules électriques qui disent qu'ils vont avoir des sources durables. Mais bon, on dit qu'ils sont verts également et responsables. Et ça, c'est un point supplémentaire au point soulevé par Payal Aimé. Lorsque les compagnies de véhicules électriques disent ce genre de choses, ça veut dire que ces compagnies s'inquiètent de leur image et elles pensent que ça va être un problème pour elles si elles ne sont pas vues comme étant vertes. Donc il y a beaucoup de discours dans le secteur minier sur la question des sources durables. Et donc, c'est pour ceci qu'il y a des journalistes qui font des enquêtes et des acteurs de la société civile qui résistent. Donc, je voudrais vous donner une petite idée de ce que les gens font contre cette extraction minière soi-disant verte. Alors, je voulais vous montrer à quoi ça ressemblait dans le monde entier. La frontière du lithium se déplace et donc
Il y a donc des gens qui protestent au Chili. Ça, c'est un des deux premiers producteurs mondiaux de lithium. Il y a également l'Australie. Et donc, il y a la question des eaux et de la protection des communautés autochtones. C'est la même chose en Argentine. La frontière du lithium se propage. Le Portugal est un petit producteur, mais c'est quand même le premier producteur en Europe. Et donc, ils exigent que le Portugal améliore ou amplifie ses mines. Et donc, quelquefois, on a essayé de retirer certains sites. Il faut vraiment surveiller ceci. Puis ensuite, il y a les États-Unis. Nous avons un nouveau projet au Nevada, qui s'appelle Thacker Pass. Et donc, c'est sur des terres publiques, mais c'est également le site de protestation de la part des rangers et des environnementalistes, à cause des impacts sur l'environnement et le manque de consultation, ainsi que le fait que le projet a été approuvé très très rapidement par les agences du gouvernement sans avoir les bonnes consultations des locaux. Donc maintenant vous avez une idée des manifestations et voici mes idées pour conclure. Ce que cela donne, et on a l'impression, par exemple pour moi en tant que militante pour le Green New Deal et chercheuse, c'est comme on doit confronter les crises climatiques où on protège les environnements locaux des impacts de l'exploitation minière et le respect des droits d'autodétermination des communautés autochtones. J'ai l'impression qu'il faut choisir entre l'un des deux. Mais j'aimerais revenir au dernier diapo de May Payal. Ce n'est pas vraiment un jeu à somme nulle. Les approches, les impératifs économiques et de profit, les conceptions des systèmes et des technologies. Alors j'aimerais suggérer, pour revenir à la dernière présentation, qui est en fait multiples voies vers une décarbonisation rapide et juste. Il n'y a pas juste une voie et un groupe d'indicateurs d'offres et de demandes. Il y a différentes façons d'avancer. J'aimerais simplement clarifier ces contrastes. On a une façon d'avancer. C'est un système privatisé d'autodétermination. C'est un langage assez fort, mais moi je parle des États-Unis où nous avons un système de transport qui est complètement centré sur les voitures et destructif pour l'environnement et dangereux pour les piétons. On a beaucoup de fatalités aussi. Où on peut élargir le transport de masse, le cyclisme, etc. Donc on peut réduire l'intensité des ressources. Les autobus qui fonctionnent sur des batteries de lithium, c'est en fait une utilisation rationnelle de ressources. Et en fait, c'est ce qui arrive sur une planète où on a des ressources limitées. De plus, nous avons besoin de faire beaucoup mieux pour le recyclage et la récupération des matériaux et sur les technologies et la conception des infrastructures. On doit l'avoir par des règlements verts. On ne peut pas s'attendre à ce que les compagnies fassent du recyclage tout seul. Il faut l'exiger. De plus, ce qui est très important aux États-Unis, nous devons réduire drastiquement et rendre plus équitable la consommation totale d'énergie. Une partie des raisons pourquoi on a ce système, on a besoin d'infrastructures physiques aussi importantes et qui ont une empreinte assez importante, c'est parce que la demande est aussi importante. On est inefficace dans la consommation d'énergie, mais c'est également inégal. On utilise beaucoup trop d'énergie. De plus, enfin, sur cette question de politique, lorsqu'on pense aux relations externes, la manière dont les États-Unis sont intégrés à l'économie mondiale, on doit intégrer les droits des autochtones, les protections environnementales et du travail dans la politique commerciale. Parce que ces politiques commerciales, c'est ce qui aide à régir le flux de ressources des deux côtés de la frontière. Si je ne l'ai pas assez souligné, je dois dire clairement que la transition énergétique est une transition matérielle.
avec une empreinte matérielle. Elle va transformer les paysages physiques autour de nous. Dans beaucoup de cas, on espère qu'ils vont être améliorés, ils vont être plus résilients et les communautés vont être meilleures. Mais malheureusement, on a besoin de beaucoup d'extraction et il faut réfléchir sérieusement à la manière de réduire l'intensité de ressources de ces transitions énergétiques. Et un dernier point, j'aimerais suggérer, comme je suis une promoteur de Green New Deal, il y a des principes d'équité pour gérer la crise climatique où on laisse personne pour compte, surtout les employés. Il faut appliquer au-delà des frontières et des échelles et des technologies vertes. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Thea. Avant de passer à la période des questions, moi aussi j'ai des questions. J'aimerais revenir à nos panélistes et j'aimerais demander à chacune d'entre vous une question juste pour démarrer. Alors, pour May ou Dimitri, j'aimerais vous demander, cette lutte a dû vraiment bouleverser vos vies, du simple fait de travailler pour avoir une vie décente pour vous et votre communauté à la nécessité de trouver un moyen de lutter contre un projet d'exploitation minière qui est important en plus. Alors, selon vous, qu'est-ce qui doit changer dans les attentes des gens en tant que citoyens, électeurs ou consommateurs pour que cela ne se reproduise plus? It's a big transition from going from a peaceful community into a mining community, and it definitely changes the dynamics. I think we did the right thing to organiser dans nos collectivités pour essayer de nous opposer au projet au meilleur de nos capacités, de nos connaissances. En fait, le plus important, c'est que le gouvernement régional n'appuyait pas toujours le projet. Ça, c'était une contrainte majeure. Évidemment, ils avaient leurs propres raisons. La plupart d'entre eux, ce sont des questions, des raisons purement économiques. Mais il n'y avait jamais l'occasion d'avoir un dialogue avec eux pour discuter du projet, de ses répercussions sur la région, du point de vue environnemental et social. Qu'il amène du développement durable dans la région ou pas, et on ne nous a jamais écoutés. Ça, c'était une des contraintes principales. Plus tard, cela a mené à des divisions énormes au sein de la communauté, entre les personnes qui étaient en faveur du projet et de ceux qui étaient contre le projet. Cela a compliqué les choses énormément, cet écart. Et en fait, énorme, et on ne peut pas le réduire. Si seulement la communauté pouvait s'unir et décider au sujet du projet ensemble et en discuter, je pense que ça serait un pas vers l'avant. J'aimerais maintenant demander à Payan. Vous avez investi énormément d'énergie dans ces jeux pendant plusieurs années. Beaucoup de choses ont changé lorsqu'il s'agit de la manière dont les gens comprennent l'extraction minière et ce que cela fait aux communautés et aux écosystèmes. Mais il y a beaucoup de choses qui n'ont pas changé. Selon vous, qu'est-ce qui va dans la bonne direction? Qu'est-ce qui vous donne espoir? Oui, en fait, en préparant cette présentation, je pensais justement à la conférence de monter la température, monter la chaleur à Montréal récemment. Je pense que dans l'espace de la société civile, il y a quelques années, on a vu des compagnies minières qui cadraient et qui s'appropriaient ces messages. Et je crois en effet qu'il y a eu énormément de coordination. Et en fait, il y a eu de la résistance de la part de la société civile très rapidement. En fait, cela ne nous a pas dépassé. Je pense que pendant les années où je travaillais, l'organisation, la solidarité des réseaux et des réseaux intersectionnels,
dans plusieurs champs, des groupes autochtones et des syndicales, était assez inspirant et allait dans la bonne voie. Mais en fait, le pouvoir n'est toujours pas concentré entre nos mains et il y a des pressions de plus en plus importantes. Puiser dans les ressources et les écosystèmes des régions. Et je crois qu'en fait, c'est ce qui passe. Je dirais même si j'ai rédigé ces mots, donc fournisseur de sources matérielles, je me rappelle qu'il y a 20 ans, c'était une compagnie canadienne d'extraction minière qui a décrit cela. Elle était acquise par une autre compagnie minière et notre compagnie minière. Et ce modèle, en fait, était en roulement. Alors, ces barrières systémiques qui existent encore, elles sont toujours ancrées et il y a beaucoup de travail à faire. Sans aucun doute. Merci. Et pour Fia, pour revenir à la Moldavie verte, le Green New Deal, vous avez travaillé sur l'élaboration des propositions aux États-Unis. Quelle est la chose que les gens dans le Nord qui mettent la pression pour l'action climatique doivent comprendre? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour nous à intégrer dans notre réflexion? C'est exactement ce dont on a parlé aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas redondant. Je vais essayer d'ajouter quelque chose. La transition énergétique n'est pas, en fait, ne s'agit pas des technologies propres et des énergies renouvelables qui viennent de nulle part. Il faut avoir des infrastructures et des fonds d'extraction et des transformations de paysages qui, en passant, sont des éléments les plus litigieux de la transition juste même dans le Nord. Et c'est pourquoi c'est si important de réduire nos demandes énergétiques. On a vu des conflits sur l'utilisation des terres et des renouvelables. Alors, je pense que nous avons besoin de, en fait, prendre ce que nous avons appris au local et l'appliquer au mondial. Donc, chaque secteur d'activité en capitalisme est vraiment transnational, transfrontalier. On peut faire des liens entre les moments dans le temps ou l'espace. Je n'aimerais pas que cela mène à une position nihiliste. Je sais que Paul a souligné l'importance de la décarbonisation pour éviter l'idée qu'on ne peut rien faire. C'est tout ce qu'on fait a des impacts négatifs. Je ne pense pas que c'est utile politiquement. En plus de ces demandes et sur ces communautés touchées par les mines, tout le mouvement de justice climatique depuis des décennies veut que le Nord fasse la transition de manière responsable, réduise de manière drastique les émissions de carbone. Et c'est pour cela qu'on a besoin de transformation, mais elles peuvent se produire de manière différente. Alors, ces deux objectifs peuvent être plus complémentaires, je l'espère, et répondre aux demandes de la transition énergétique plutôt que de nous donner l'impression que c'est la décarbonisation qui est opposée à la réflexion sur la façon dont ça va se produire. Ça, c'est un élément. J'aimerais ajouter une autre chose pour nous situer dans le contexte social, économique et politique du Sud. Nous vivons une pandémie, nous avons une situation d'apartheid, de vaccination qui coexiste avec l'apartheid climatique dans les endroits qui sont le plus touchés par le réchauffement climatique et qui n'ont pas contribué à cela et aussi ne reçoivent pas le vaccin qui peut sauver les vies. Et leurs économies étaient dévastées par des fermetures et des pressions dans le commerce mondial. La dette souveraine dans le Sud est vraiment astronomique et a battu des records historiques. En Amérique du Sud, c'est là qu'il y a le plus de dettes. Ce n'est pas juste pour nous rappeler de toutes les tragédies dont nous sommes au courant, mais pour dire que ce sont ces conjectures qui peuvent
inciter l'extraction. Ce sont les pays qui ont ces populations, qui ont le grand besoin, qui ont des pots de ressources sur leur territoire, qui peuvent se sentir forcés, et c'est la façon de payer leurs dettes. Donc, ils doivent extraire plus. Et c'est pourquoi, dans le Nord, on doit en fait faire des demandes pour la redistribution, pour la résilience climatique, et que les gouvernements ne se sentent pas obligés à se tourner vers l'extraction comme seul mode de développement économique. Oui, et puis vous revenez aux faussetés, aux fausses promesses de la prospérité du Homin. On a vu ceci dans plusieurs parties du monde. Et c'est quand même une illusion, c'est une manière pour qu'on génère des profits pour la population. Mais ce n'est pas vrai, c'est pour le capitalisme, ce n'est pas pour les communautés ou le gouvernement, même dans les cas qui réussissent le mieux. Les bénéfices pour le public ne contrebalancent pas les problèmes sociaux ou environnementaux. On le voit un peu partout. Il faut essayer de faire passer ce message. Peu importe ce qui en ressort, c'est très très important de faire les calculs avec attention, parce que même les gens au gouvernement qui sont bien formés, il faut le leur répéter parce que c'est une fausse promesse. Il y a de très très bonnes questions. Je vais essayer de les regrouper un petit peu pour qu'on essaie d'en parler ou d'y répondre collectivement, bon, selon certains thèmes. Il y a quelques questions sur Nouveau Monde Graphite, donc on va essayer d'y répondre tout de suite. Et aussi, pour que les gens le sachent, nous allons rendre les documents disponibles après coup. Donnez-nous un peu de temps pour nous organiser, mais ces présentations seront disponibles. Il y aura également l'enregistrement de la session sur notre site web et dans les médias sociaux. Les questions pour Nouveau Monde Graphite, il y a deux choses. Tout d'abord, les efforts de la compagnie qui veulent être une mine complètement électrique, donc pas d'émissions de gaz à effet de serre qui viendraient de la mine elle-même. Ça, c'est une tactique intéressante qu'on a déjà vue dans d'autres compagnies. Et l'autre, quelle sorte de collaboration il y a eu? Qu'est-ce que la coalition a pu faire? Donc surtout, bon, pour les personnes dans la communauté Atikamekw. Donc, mais Dimitri, est-ce que vous voulez répondre? Oui? Peut-être? Je vais commencer avec la première question sur les mines 100% électriques. D'après nous, c'est un objectif très ambitieux pour la compagnie. Ce n'est pas très clair s'ils vont pouvoir faire ça. L'année dernière, durant les audiences publiques, nous n'avons pas eu de réponse claire de la part de la compagnie. Et l'équipe technique n'a pas vraiment prouvé qu'il pouvait faire ce qu'il prétendait, que ce soit 100% électrique dès la première année. Donc nous ne croyons pas que cette mine sera complètement électrique. Et maintenant, dans l'étude de faisabilité de la mine, c'est que bon, pour les 5 premières années d'opération, ça sera fait au diesel. Peut-être qu'après, les ingénieurs vont trouver une solution pour faire fonctionner la mine à l'électricité, mais nous n'avons rien vu en ce qui concerne les études de faisabilité ou même pour le budget concernant ce genre d'opération. Donc, jusqu'à ce qu'on ait ce genre de preuves, je crois que
Nous avons beaucoup de doutes sur la faisabilité de ce projet, du point de vue de l'exploitation électrique. Peu importe comment on fait fonctionner la mine, il y aura des émissions de toute façon. Alors ça, c'était pour la première partie de la question. Maintenant, pour la deuxième question, pour la question des Premières Nations et surtout la nation Atikamekw. Nous sommes entrés en contact avec eux de temps en temps et nous sommes très ouverts à avoir des discussions sur ce projet. On voudrait leur fournir des informations, celles qui sont à notre disposition concernant le projet. Et nous croyons que la nation de Manawan devrait décider par elle-même en ce qui concerne ce projet, pour évaluer les menaces qui pourraient être présentes dans leur communauté et dans leur territoire. Donc c'est à eux de prendre ces décisions. Et May, peut-être que vous voulez ajouter quelque chose. Concernant l'électrification de la mine, lors des audiences publiques, il a été démontré qu'à l'heure actuelle, il n'existait nullement de camions électriques pour des mines à ciel ouvert. Mines sous terre peut-être, mais hors terre, ça n'existe pas, à tel point que les commissaires de la commission ont demandé que le promoteur fasse tous ses devoirs à partir d'une mine au diesel sur une durée de 26 ans. Donc, on rentre encore dans une campagne de marketing quand il dit 100% électrique. C'est complètement faux. La machinerie n'existe pas. On ne sait pas si elle va exister. Il a été démontré avec des présentations à l'appui que ça n'existait nulle part à l'heure actuelle pour des mines hors terre. Donc, le promoteur devait, c'était une des demandes d'ailleurs des commissaires des audiences publiques, qu'il dépose auprès du ministère de l'Environnement une nouvelle étude de faisabilité basée sur des camions au diesel pour une période de 26 ans. Et ça n'a pas été déposé et le gouvernement a quand même été avec une autorisation d'un décret favorable pour les débuts des travaux. Voilà. Pour la relation entre les Atikamekw et la coalition? Oui. Très brièvement, comme je l'ai mentionné, nous sommes ouverts à discuter du projet avec la nation Atikamekw de Manawan, mais nous croyons également que c'est à la nation Atikamekw de prendre leur décision concernant ce projet, d'après toutes les informations disponibles. Et c'est tout ce que je peux dire jusqu'à maintenant. Pour compléter ce que Dimitri mentionnait, nous avons eu quelques échanges avec le conseil de bande. On a déjà eu quelques échanges. On leur a fait part de nos inquiétudes et ils nous ont mentionné aussi qu'ils ne voyaient pas d'un bon œil à l'heure actuelle tel que présenté le projet minier. Donc, ils ont beaucoup d'inquiétudes, ils ont beaucoup de questionnements. Ce que nous avons fait, nous sommes toujours disponibles pour échanger avec la communauté Atikamekw de Manawan. En tout temps, nous sommes ouverts, nous sommes disponibles. Donc, je pense qu'ils le savent aussi. Ils sont en train de faire actuellement probablement des démarches de leur côté, mais ils savent que nous sommes ouverts pour toute discussion, pour voir s'il y a des avenues que nous pourrions peut-être mettre de l'avant ensemble.
D'autres questions que nous avons devant nous, il y en a plusieurs sur la transition énergétique, mais également l'économie circulaire. Et comment est-ce qu'on peut électrifier et ne pas continuer à élargir la consommation? Donc, je vais passer ceci au panel. Si on électrifie les transports, est-ce qu'on maintient cette manière de vivre destructive? Mais en même temps, il y a des compagnies qui se repositionnent, qui disent qu'ils sont fournisseurs de services de matériaux, mais qui maintiennent les mêmes structures d'entreprise et qui ont le même capitalisme sous-jacent. Alors, est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est ça ce que nous recherchons? Qui voudrait faire un commentaire là-dessus? Je peux y aller. Je crois que c'était une question à laquelle vous aviez déjà une réponse, n'est-ce pas, Jimmy? Mais je pense au fait qu'il y a cette fausseté, en fait, ces fausses promesses. Ce sont des changements qu'il faut qu'on fasse. Et est-ce que vous dites qu'on ne devrait pas les faire à cause des répercussions des mines? Mais ils disent que c'est mieux d'augmenter la production, de la multiplier par 6, de faire tous ces mines à ciel ouvert et d'avoir tous ces impacts destructeurs plutôt que de faire le changement systémique qui réduirait notre empreinte énergétique. Ce sont des choses énormes. Bien, ça prendrait des changements de comportement et une recalibration des systèmes. Mais c'est simplement de pouvoir exporter les problèmes, surtout pour nous en Californie. Mais les répercussions et les dommages et les bénéfices aussi sont vraiment très inéquitables. Alors donc, si on avait une certaine justice et que tout était bien mesuré, je crois que les changements systémiques qui amèneraient la réduction pourraient être faisables. Merci beaucoup, Thea. Je suis tout à fait d'accord avec Payal. Comme elle l'a dit, nous sommes à un point critique et toutes les directions impliquent des changements et des transformations. Ce n'est pas qu'il y en a un qui est plus facile et l'autre plus dur. Il y en a juste qu'il y a l'industrie minière, l'industrie automobile. Bon, il y a les politiciens aussi qui desservent leurs intérêts. Mais bon, il y a également beaucoup de collectivités, peu importe dans le nord, dans le sud, qui pourraient s'intéresser à une transformation différente, qui utiliserait moins de ressources, qui serait plus équitable. Mais le défi pour nous, en tant qu'organisateurs et lobbyistes, il faut vraiment s'occuper de l'éducation et il faut vraiment s'occuper des coalitions. Même certains des commentaires dans la boîte de discussion ont dit qu'il y a des gens ici qui sont en désaccord profond sur ce qui devrait être fait. Donc, on a besoin d'avoir ce genre de discussion difficile et il faut qu'on s'organise, mais rapidement. Donc, c'est une question d'organisation, d'éducation, pas une question de savoir s'il y a une ou plusieurs directions, ça c'est évident. Donc, merci Théa, Payal, May et Dmitri. Et je vais repasser la parole à Monique pour qu'elle termine la session de la bonne manière. Alors, merci à tous et à toutes de votre présence. Je vois qu'il y avait 129 personnes d'après mon écran, donc très heureux que vous soyez venus. Et j'espère que nous serons en contact. À vous, Monique. Merci. Merci, Jamie. Je trouve ça vraiment encourageant qu'il y ait des gens qui
qui veuillent travailler très très fort pour essayer de trouver de bonnes réponses et pour arrêter cette extraction des ressources. Je sais comment ça affecte ma propre communauté et d'autres communautés comme la mienne. Je vois que les gens travaillent ensemble pour essayer de changer tout ça. Donc ça me donne de l'espoir. Donc je voudrais vous remercier pour ça. Je vais clore la séance avec quelques mots pour le créateur. Merci beaucoup, créateur, pour les plantes, pour l'eau, pour les arbres, pour ceux qui volent, pour ceux qui nagent, pour ceux qui rampent. Merci pour les animaux à plumes, à poils, ceux à quatre pattes, ceux à deux pattes. Et merci beaucoup d'avoir rassemblé tout le monde ici aujourd'hui avec un cœur ouvert, un esprit ouvert. Aidez-nous à voir la beauté et aidez-nous à entendre la vérité. Travaillons ensemble pour l'amélioration dans toutes les communautés avec de la compassion, de la gentillesse et en regardant vers l'avenir. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup, beaucoup. Merci. Alors, bonne journée.